En tant que vétérinaire, je ne vais jamais tester un médicament destiné pour les chevaux sur des perroquets, et c'est évident. Et donc, pourquoi tester un médicament destiné pour l'homme sur des rats? Nous ne sommes absolument pas des rats de 70 kilos. L'homéopathie, c'est une maladie dite génétique. C'est une dégénérescence musculaire progressive. Après des dizaines d'années de recherche, il n'y a toujours pas de traitement. Et c'est sûr que si on cherche sur les animaux, c'est compliqué pour trouver pour l'homme, de toute façon. Concernant les méthodes substitutives, on se base vraiment sur le génome humain. On peut être que d'accord, parce que en voyant le non-résultat en fait par rapport aux recherches sur le modèle animal, on peut être que d'accord et se dire oui, mais il n'y a que ces méthodes-là finalement qui arriveront à guérir les gens. On a perdu 50, 60 ans, on a perdu tout l'argent qu'on a investi dans cette recherche en fait aurait été investi directement dans ces méthodes substitutives, je suis moi convaincue qu'on aurait guéri déjà certaines maladies, quoi. Vouloir guérir d'une maladie grave, pour moi, ne justifie pas le fait de faire souffrir d'autres êtres sensibles et de les utiliser, en fait. Je vous signale, récemment, nous avons eu en France un scandale à Rennes où on a testé un produit sur des volontaires sains. Ce produit avait montré aucun effet sur le chimpanzé, qui pourtant devrait être notre meilleur modèle, puisque c'est le plus proche de nous en termes d'évolution. Eh bien, ce médicament a envoyé à l'hôpital 5 des 6 personnes qui étaient exposées. Le 6e, c'était un volontaire qui n'a pas été exposé au produit. C'était une référence, si vous voulez. Sur les 5, il y en a un qui est mort, et il y en a 3 qui actuellement ont de graves problèmes qui probablement les marqueront à vie. Ces problèmes, d'une façon générale, sont basés sur le fait qu'on a fait confiance au modèle animal. C'est très très souvent, et bien trop souvent, qu'il y a des accidents de médicaments. On en parle parfois, certains sont médiatisés, comme ça a été le cas pour non seulement le Distilbène ou le Mediator, le Vioxx. Il y aurait 135 000 hospitalisations et 13 000 décès en France par an d'accidents des médicaments. Donc, c'est dire que, malheureusement, ça fait quand même, in fine, pas mal de victimes. Et malheureusement, moi, je suis bien placée pour le savoir, puisque Georgina, ma fille, est décédée d'un effet secondaire de médicaments, la pilule Diane 35. La presse a sorti d'autres accidents occasionnés par la pilule Diane 35. Elle a été, dans un premier temps, retirée du marché. Et très peu de temps après, elle a été remise sur le marché sous la pression des lobbies pharmaceutiques. La pilule Diane 35, comme les autres médicaments, ont tous été préalablement à l'AMM, à l'autorisation de mise sur le marché, testés sur les animaux, bien évidemment. Si nous prenons 100 médicaments qui ont réussi les tests précliniques chez les animaux, sur ces 100 médicaments, en moyenne, 92 vont échouer chez l'homme, ce qui représente un taux d'échec énorme. Et je ne connais pas d'autre industrie où un taux d'échec pareil serait accepté. La raison pour laquelle nous sommes dans cette situation aberrante est à cause d'une loi qui date de 70 ans, où les industries pharmaceutiques et chimiques sont obligés par la loi de tester leurs substances sur des animaux avant d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Il existe aussi une directive européenne sur la question de l'expérimentation animale pour les recherches donc pharmaceutiques, médicales et autres. Et là, il y a un vrai problème parce qu'en fait, la directive n'est pas appliquée.
tout simplement parce qu'elle n'est pas assez contraignante. La directive nous dit qu'il faut réduire, qu'il faut éviter, etc. Bon, donc, si on se contente de dire ça aux industriels, ils vont très facilement justifier du fait qu'ils ne peuvent pas réduire et qu'ils ont absolument besoin d'utiliser tel ou tel animal pour leurs expérimentations. En fait, c'est tout un système qui fonctionne très bien, avec des élevages qui sont dédiés à l'expérimentation animale. C'est tout un cercle finalement économique qui génère beaucoup d'argent et toute une routine par ailleurs de la recherche médicale. Quand je parle de routine, c'est-à-dire un procédé, finalement tout le monde ils ont été formés de cette façon-là et personne n'a envie vraiment de remettre en cause ce système parce que ça génère effectivement toute une manne financière qui n'est pas négligeable. Il faut que les directives soient beaucoup plus contraignantes pour que pour le coup la recherche arrive rapidement à trouver les moyens de remplacer les animaux. Il nostro governo non ritiene utile e necessario, per non dire fondamentale, impiegare finanziamenti dello Stato per il progresso della scienza medica. Tutto questo, peraltro, ce lo richiede con chiarezza la direttiva europea. Nel giugno 2014, insieme al rappresentante di Animal Amnesty per Carlo Paderno, ci siamo introdotti nello stabulario di Modena e abbiamo rilevato le gravi illegittimità e condizioni di maltrattamento dei 17 macachi detenuti al suo interno. Le attività che sono iniziate con il nostro sopralluogo hanno consentito di portare alla luce le inutili ricerche effettuate sui macachi, che erano chiuse all'interno di quelle gabbie anguste. Come scritto nel protocollo di sperimentazione e per stessa ammissione dei ricercatori, ai macachi dello stabulario di Modena venivano introdotti elettrodi all'interno del cervello per una ricerca senza orizzonti, che indagava sul funzionamento di alcuni meccanismi cerebrali dei primati non umani. Abbiamo fermato questa sperimentazione, abbiamo fermato il massacro. Les expériences sur les animaux aujourd'hui en France en 2015, ça va des expériences militaires, donc quand je dis expériences militaires, c'est l'armement nucléaire, bactériologique et chimique, NBC, qui est testé sur les animaux, jusqu'aux produits d'entretien et les produits ménagers, les colles, les solvants, les peintures, tout ce qui concerne les pesticides, les polluants agricoles, le desktop. Les brûlures, la recherche aussi en psychiatrie, qui va concerner la privation de sommeil, par exemple, ou ce genre de protocole que, quand on est dans le grand public, en fait, on n'imagine pas forcément. Le message International Campaigns est double, à la fois relancer et développer la lutte contre l'expérimentation animale, et d'un autre côté, faire la promotion à la fois du véganisme pour les animaux et des droits fondamentaux des animaux dans une approche abolitionniste. Nous ne sommes pas des militants anti-science, anti-progressistes, au contraire, nous sommes partenaires d'une association de chercheurs qui essaie de développer des méthodes substitutives. Nous mettons en avant donc ce partenariat et l'existence de ces scientifiques qui sont un petit peu trop muselés dans les médias et qui n'ont pas voix au chapitre, mais qui ont pourtant beaucoup à dire et expliquer le scandale qu'est le sous-financement et le sous-développement des méthodes scientifiques de recherche sans animaux. Lorsque l'on a appris qu'il y avait un happening sur la place des Terreaux pour s'opposer clairement à la vivisection sur les animaux, ma famille et moi, on s'est inscrits directement pour supporter cette action. Nous sommes là pour alerter les médias, le grand public, de l'inutilité d'infliger cette souffrance inouïe, cette détresse à des êtres vivants, sensibles, puisque aujourd'hui, en 2015, des méthodes substitutives existent. Il y a des modèles ex vivo, des modèles in silico. Donc c'est plein de choses en fait, qui permettent d'avoir du matériel de laboratoire, mais qui ne sont pas des animaux en fait, pour faire les tests et les expériences. Et surtout, il y a beaucoup d'espoir avec les organes sur puce. C'est assez récent et ça permet de voir, en fait, c'est très simple à comprendre, c'est les réactions des organes humains, seuls, ou leur interaction entre eux. Les modèles animaux ont un taux de prédiction pour l'homme d'environ 30%. En utilisant du matériel issu des humains et en utilisant une gamme de méthodes, et pas une seule ou deux seules méthodes, nous pouvons arriver à un taux de prédiction de 60%, 70%, 80% et même au-delà de ça. Ce qu'il faut, c'est pour remplacer ce modèle animal, c'est faire marcher la science la plus logique possible. Exposé à un stress, à une maladie ou n'importe quelle autre contrainte de l'environnement, chacune des espèces va réagir avec son patrimoine génétique et comme il est différent d'une espèce à l'autre, il n'y a aucune raison que nous ayons le même résultat. Il n'y a qu'un modèle pour l'homme, c'est l'homme.
Et par conséquent, on va commencer par étudier sur les cellules humaines ce qu'un produit chimique est en train de faire à nos cellules, et donc par conséquent à nous. Il y a une méthode scientifique qui a été développée dans les années 90, ça s'appelle la toxicogénomique. On met des cellules humaines en culture, on les expose aux produits que l'on veut tester, et à ce moment-là, on regarde quels sont les gènes qui sont mobilisés ou démobilisés du fait de la présence du produit chimique. Voici une puce à ADN, vous avez des points rouges, des points bleus et des points verts. Alors, chacun des points correspond à un gène particulier qui a été identifié. Les points rouges correspondent à des gènes qui ont été excités du fait de la présence du produit chimique. Les points bleus sont ceux qui, au contraire, ont été freinés, donc ont été réprimés du fait de la présence du produit chimique. Et vous avez les gènes verts qui n'ont pas bougé ou pas beaucoup bougé. Vous pouvez dire exactement ce que le produit est en train de faire à la cellule que vous proposez. Un exemple, le bisphénol A, nous avons testé en 2004. Dans les deux jours qui ont suivi l'étude, nous savions que ce produit mime l'effet d'hormone, que ce produit affecte le développement neuronal du fœtus, en particulier pour l'autisme, que le bisphénol A induit des maladies conformationnelles, Alzheimer, diabète, Parkinson, chorée de Saint-Guy, que le BPA est cancérigène, en particulier pour le sein et pour les prostates, que le BPA est neurotoxique, agressivité, anxiété, affecte l'appétit, l'apprentissage, la compréhension, la mémoire, et enfin que le BPA est synergique avec d'autres hormones féminines. C'est-à-dire qu'en présence d'autres hormones féminines, le BPA augmente l'efficacité de ces agressions de type hormonal. Nos gènes ne savent pas mentir. Ce n'est pas la peine de prendre, comme on le fait pour les souris, de prendre une lignée de souris ou une autre, selon ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et je vous signale qu'on peut, de cette façon-là, en choisissant bien la lignée, démontrer n'importe quoi et son exact contraire. Donc là, vous n'avez pas de possibilité de tricher avec ces puces à ADN. Voilà un exemple très simple d'une avancée scientifique, si vous voulez, que nous avons proposé à la Commission européenne déjà il y a maintenant 12 ans. Elle l'a mis de côté en disant « ce n'est pas validé ». Alors on se demande pourquoi d'ailleurs la Commission européenne refuse de prendre en considération un moyen scientifique pour évaluer les risques toxiques et continue à demander à ce qu'on fasse des tests sur des rongeurs. Si l'industrie chimique était obligée d'utiliser la toxicogénomique, elle aura beaucoup moins de possibilités de manipuler, je dirais, les résultats. Et pour notre santé et pour la souffrance animale également, c'est quelque chose de très très urgent et très très important.